L'édito de Mazlek. Mon général, tu nous as eu. Voici qui est révélateur de la conclusion à laquelle en viennent de nombreux Gabonais 30 jours après l'arrivée au pouvoir des militaires putschistes suite à leur coup d'État du 30 août 2023 au Gabon. Avec la fin de cette cécité politique, c'est l'euphorie née de cette arrivée des militaires au pouvoir qui tourne de plus en plus à la désillusion. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Et l'essor vers la félicité, chanté à corps et à cri, semble plus que jamais partir en fumée. Une crise de confiance qui résulte d'une somme de pratiques aux antipodes de la rupture avec l'ordre ancien. Un changement de paradigme attendu avec gourmandise par de nombreux Gabonais, las de 53 ans de gestion de Gabon au brouillon par le clan Bongo. L'absence de motivation liée à la défense de la souveraineté nationale dans le chapelet d'alibi brandi pour justifier ce coup de force aurait pu interpeller depuis lors la conscience collective qu'il ne s'agissait nullement d'un coup d'État à la Sankara, mais d'un simple règlement de compte entre clans rivaux du système Bongo PDG. Avec d'un côté le clan PDG Bongo Valentin et sa légion étrangère, dont la voracité économique les poussait à entretenir le macabre dessein de déposséder les Gabonais de leurs terres et de ses richesses, avec en face l'aile PDG emmenée par les extrémistes Teke, qui tiennent coûte que coûte à conserver le pouvoir au sein du clan Bongo Ondimba, qui transcende ce clan politique les limites des seuls porteurs du patronyme Bongo. Ceci expliquant cela, l'on peut aisément comprendre donc la chasse aux sorcières exclusivement orientée vers les Valentins et alliés sur fond de justice des puissants, en exemptant comme par extraordinaire d'autres comptables de la banqueroute du Gabon, dont les chefs de file que sont Ali Bongo Ondimba, patron ces 14 dernières années des criminels économiques et des fossoyeurs du développement social du Gabon, avec comme principal bras armé la sulfureuse Marie-Madeleine Boranto, présidente sortante de la Cour constitutionnelle et comptable à maintes reprises de crimes politiques contre le Gabon. Deux symboles de la pègre politique à qui la junte au pouvoir a comme par magie offert des sorties dorées, du moins jusqu'à présent. De qui se moque-t-on? Peste de nombreux Gabonais dans des sorties au vitriol dont nous laissons transpirer certaines d'entre elles. Morceau choisi. Charte de la trahison, pardon, de la transition taillée sur mesure, adoptée unilatéralement et publiée au journal officiel en catimini. La présidence de l'Assemblée nationale de transition, confiée au principal artisan du coup d'État électoral de la répression sanglante des Gabonais en 2009. Cabinet ministériel et tête des administrations financières, outrancièrement PDGisé, c'est-à-dire aux mains des membres du PDG, l'ancien parti au pouvoir, et par ailleurs outrancièrement tribalisé. Présence en grand nombre des PDGistes et autres soutiens inconditionnels du régime déchu dans le gouvernement de transition. On veut le changement, mais pas les mêmes gens. Bientôt 2025, aucun signe d'un Gabon émergent. Des pics qui en disent long sur les risques de dérapage de la transition politique au Gabon, des rails de la restauration des institutions. Et les agissements du président de la transition politique au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa récente visite au Congo-Brazzaville, viennent comme rajouter une couche au tableau. Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, à vos ordres, monsieur le président Sassou. Dans tous les cas, le message est bien compris. Une libération, ça ne se donne pas, mais un peuple se libère.
trêve de complainte, libérons-nous. Oh my God! 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 Oh my God!